Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah et bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un gros craquage Amazon que j'ai fait, je vais vous faire l'unboxing. J'ai d'ailleurs très hâte d'ouvrir ces cartons avec vous. Un gros craquage mais un craquage utile j'ai envie de dire et un craquage qui a quand même été modéré puisque ça fait longtemps que je ziote ceci. Et là, j'ai profité d'une promo. Je vais vous expliquer tout ça. Mais vous avez peut-être vu déjà sur la miniature de la vidéo qu'il s'agit des Breadfunner 520. Voilà, je me suis fait ce gros plaisir. C'est tombé à la période de mon anniversaire. Donc, je me suis dit... pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je me suis dit que j'allais me faire un cadeau d'anniversaire à moi-même, tout simplement. Voilà la petite excuse supplémentaire pour ne pas culpabiliser. Mais voilà, pour vous donner tout de suite, pardon décidément, une idée du prix. Sur Amazon, ces crayons sont normalement à 119,99€. Et là, j'ai pu profiter d'un bon de 20€. Donc, les 520 crayons de couleur me sont revenus à 99,99€. Donc, du coup, bah, j'ai sauté dessus. Hein. J'attendais qu'il y ait une promo. Et c'était le cas. Alors, je vais mettre ce carton de côté parce que c'est en rapport avec les crayons. Mais on va l'ouvrir en second temps. Et on va ouvrir ce carton. Alors, j'ai préparé mes petits ciseaux. On voit mon téléphone dans le coin. On va le virer aussi. Voilà. Et on va ouvrir. Alors, je l'ai reçu il y a 2 jours, ce carton. Donc, avec Amazon Prime, hein, livré le lendemain. Je vous dis pas comme j'ai dû me faire violence pour ne pas jeter un coup d'œil. Mais voilà, je me suis dit non. Retiens-toi, tu l'ouvres avec eux. Hop. Allez, c'est parti. En tout cas, je peux déjà vous dire que le carton est bien lourd. Et bah, vous voyez, c'est très bien emballé et ça a l'air très bien protégé. Donc ça, c'est top. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Ah là là, on va avoir du polystyrène partout. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, on a une première boîte. Comme ceci. Donc, je les sors, je vire le carton et je vous montre ça mieux. Hop. Et on a une deuxième boîte avec les fleurs plus claires. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Et on va mettre ça par terre. Voilà. Donc, j'avais dit que j'aurais du polystyrène partout. J'ai passé mon aspi hier. Ça va être super. Donc, voilà. Oh là là, comme je suis contente. Voilà, j'essaie d'enlever un peu... le polystyrène. Donc voilà mes deux boîtes de crayons. Déjà les boîtes elles sont magnifiques. Les boîtes sont magnifiques. Alors je vais pas laisser les crayons là dedans mais je vais garder les boîtes et je me demande si je vais pas ranger soit du matériel soit ouais je pense que je vais ranger du matériel. Elles sont super belles. Vous savez des fois je fais des petites boîtes pour mes enfants avec des choses que je garde. Mais bon, comme il y a écrit dessus, je vais peut-être garder du matériel pour moi dedans. Bon, eh bien, on va commencer en ouvrant un paquet. Je suis désolée, j'enlève tous mes petits bouts de polystyrène. Eh bien, on va commencer par le clair. Allez, c'est parti. On met celui-là de côté. Alors, voilà, pour vous montrer un peu plus la boîte. Donc, il y en a une avec des fleurs plus claires. Enfin, oui, avec des fleurs claires. L'autre, c'est plutôt thème jungle, hein, j'ai l'impression, avec des fleurs plus foncées. Donc, vous avez... une cordelette là très épaisse et très solide. Donc franchement j'adore. C'est vraiment très bien emballé. Donc ici
Voilà, vous avez un petit peu une explication en plusieurs langues de ce que sont les bruits de funeur. Voilà. Et c'est parti. Alors, je pense pas qu'il y a du scotch. Je voudrais pas abîmer la boîte. Oh là là, pourquoi j'arrive pas à ouvrir ça ? Oui, ça doit bien être par là. Hein. Ça doit bien être par là. Ah voilà, ça vient. Hop là. Voilà. Alors, on va la remettre à plat tout de suite pour éviter les catastrophes. Et voilà comme ça se présente à l'intérieur. Alors, vous avez tout de suite sur le dessus une petite feuille avec des petites cases hein, pour faire votre nuancier. Donc ça, ça fera l'objet d'une seconde vidéo où je vous montrerai comment j'aurai rangé mes crayons. Et j'aurai déjà commencé le nuancier, mais on fera quelques couleurs ensemble pour vous montrer. Donc ça, c'est très très bien. Je plastifierai ensuite ce nuancier. Vous savez maintenant que depuis que Laure m'a donné sa petite astuce pour le point de croix, je plastifie absolument tout. Alors, les crayons se présentent en rack comme ceci. Donc vous avez des racks de 26 crayons et donc dans chaque boîte vous avez 10 racks. Alors les racks ils sont super solides et c'est pas de la gnognotte, ils sont super solides, voilà vous voyez ils plient pas quand je prends les crayons même à une main, les couleurs sont magnifiques, franchement, oh là là je vais m'éclater, je suis vraiment très très contente de mon achat. Alors pour vous donner un peu plus de précision, on va prendre celui-là par exemple. Donc ce sont des crayons ronds, voilà, vous voyez, crayons ronds, donc j'ai regardé plein de vidéos tutos hein, sur ces crayons et c'est un crayon qui est assez gras, donc on fera le test ensemble déjà quand on fera le nuancier puis je vous montrerai un ou deux colos. C'est un crayon qui est assez gras et qui du coup dépose plein de pigments. Et sur le papier, c'est très très joli. J'ai même commencé à regarder des petits tutos pour faire des dégradés. Donc vous voyez, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais je me suis dit, Sarah, avec un tel achat, tu vas devoir faire un effort sur tes techniques de coloriage. Voilà. Donc, sur chaque crayon, vous avez le nom qui est gravé. Alors, je ne sais pas. Non, je ne pense pas que j'arriverai à vous le montrer. Si. Voilà, c'est à peu près ça, il veut pas trop. Hein. Non, il veut pas. Donc en fait, cette couleur s'appelle grenadine. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est pas très très net. Ici, vous avez la référence de la couleur. Donc R11 slash 520 colors. Donc là, vous avez Brut Funner qui est gravé. C'est très, très joli. Hein. Et ici, alors vous voyez juste un tout petit peu à la caméra, mais j'arrive pas... Si, voilà, là, vous voyez mieux. Ici, il y a le numéro de la couleur qui est gravé. Et je rapproche de mes yeux parce que sinon, je ne vois rien. C'est la couleur 338. C'est la couleur 338, donc il faut vraiment... Je pense que je vais... Je trouverai un système pour repérer le numéro de la couleur un peu plus rapidement parce que là, c'est assez compliqué. Et comme sur le nuancier, vous voyez, on va colorier le petit carré et venir mettre le numéro de la couleur, je vais trouver un petit système, peut-être avec une étiquette au bas du crayon et le numéro de la couleur. Comme ça, quand je l'aurai rangé, le numéro me sautera aux yeux. Parce que là, ça va être impossible si je dois sortir chaque crayon pour retrouver le 338, par exemple. Voilà. Donc, ici, je vous avais dit, on a R11 sur 520. Donc, c'est même pas la couleur 11 sur 520. Ça doit être simplement la référence hein, pour savoir que ça vient des Brut Funner 520. Voilà. Et alors, j'adore les noms des couleurs. Grenadine. J'ai vu dans une vidéo qu'il y avait également un
orange.com. Donc ça, c'est la couleur 512. 512 Sweet N Sour. Et alors, par contre, là, j'ai L12 sur 520. Donc, c'est peut-être, attendez, j'ai le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, c'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, je vois pas. Si je trouve, je vous le dirai lors de la prochaine vidéo. À quoi correspond la référence en bas? Parce que vous voyez, après, j'ai R14. Alors, c'est peut-être Y7. En fait, c'est peut-être avec une correspondance avec l'autre rack. Moi, je pense que je ne vais pas mélanger les deux racks. Je vais vraiment ranger, enfin les deux boîtes. Hein. Je vais vraiment ranger cette boîte et l'autre à part. Voilà, je ne vais pas faire le mélange. Alors, je vais vous montrer un petit peu les couleurs qu'on a. Donc, sur le premier, vous l'avez vu, donc on a des blancs, des beiges. On arrive un peu dans des verts pâles, des jaunes. Voilà, orange, rouge. Et puis là, des bordeaux, couleur vin. Un peu de brun sur la fin, mais voilà, qui tire vers le rouge. Ensuite, dans le deuxième rack, voilà, on est plus dans les beiges et les roses et mauves. Alors ça, moi qui ai toujours du mal, je m'étais acheté les Faber-Castell Pitt, oui, couleur peau. Et bien là, ça va être génial, hein, au niveau des couleurs. Ensuite, on a un rack de bleu. Voilà. Quand je vois le nombre de possibilités qu'il va y avoir avec ces crayons de couleur, je me dis que c'est santé, mon chéri. Que c'est vraiment un achat. C'est pas un achat compulsif. Hein. Voilà. C'est que ça va être vraiment utile et je vais m'éclater. Donc bien sûr, aujourd'hui, je vais faire mon nuancier. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de faire. Je pense que je ne vais pas réussir à tout faire aujourd'hui. Ça va me prendre plusieurs temps. Et alors ça, on a carrément des couleurs métallisées là, c'est très très beau. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur le papier. Voilà. Mon bébé qui vous donne son avis. Ensuite ici, on retourne sur des violets et roses. On a de nouveau des couleurs métallisées. Voilà. Donc là, dans cette vidéo, je vous montre vraiment tout un panaché de couleurs dans les racks. Et puis, on verra dans la deuxième vidéo ce que ça donne sur le papier et ce que ça donne au niveau du nuancier, vraiment. Voilà. Voilà. Mais vous avez vu, avec avec une boîte, j'ai l'impression qu'on a déjà toutes les couleurs. C'est fou. C'est fou tout ce qu'il y a. Voilà, et je pense qu'on arrive au dernier. Ouais. Ah non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, donc là, on est plus dans des gris bleu, noir. On a de nouveau un peu de clair. Donc, vous voyez que dans chaque rack, en fait, on commence par le clair. Et voilà, chaque rack commence toujours par des couleurs claires de nouveau. Oh là là, le doré, là. Par les couleurs claires et on arrive sur du foncé. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser, ces couleurs-là? Ça me fait penser à Noël, hein, forcément. Voilà, moi, je fais beaucoup de choses avec les stylos, vous savez, gel doré et argenté. Et en fait, ça me fait penser à ça. Et je me dis, mais Sarah, toi qui as dit qu'en livre de coloriage, tu achèterais un par un, sauf les livres de Noël. Et bien là, c'est l'occasion de te commander le livre de Noël de Johanna Basford, par exemple. Et ça va être magnifique. Ça va être magnifique, ces couleurs, pour Noël. Voilà. Bon, on va de toute façon un peu se calmer. Hein. Voilà, c'est déjà un très très bel achat. Mon bébé, mon fils a des choses à vous dire apparemment sur ses crayons. Je pense que s'il était un petit peu plus grand, il aimerait beaucoup utiliser ses crayons. Mais je vais les cacher, hein, parce que... Alors... Quand on se dit déjà, j'allais dire je vais les cacher à cause de ma fille. Quand on se dit 100 euros, donc là avec la réduction, 100 euros au lieu de 120, c'est une somme, c'est sûr.
c'est une grosse somme à sortir d'un coup. Par contre, en rapport avec le nombre de crayons, le nombre de couleurs, c'est rien du tout. C'est rien du tout, j'ai envie de dire. Je suis en train de prendre ma calculatrice. Et de vous faire le calcul. Divisé par 520. Voilà. Alors, j'ai fait le prix que j'ai payé, divisé par le nombre de couleurs, et ça me donne 0,19 centimes l'unité. Et si vous les payez au prix fort, on est à 23 centimes l'unité. Donc, franchement, je trouve ça vraiment très, très correct. Et puis, de ce que j'ai pu voir sur les tutos, alors après, je vous donnerai encore... Je vous donnerai encore mon avis personnel dans la deuxième vidéo que je ferai sur ces crayons de couleur pour un test et un avis, enfin un premier avis. Eh bien, je trouve que le prix est très très correct. Voilà. Alors, deuxième boîte, même galère pour l'ouvrir. Je ne veux surtout rien abîmer. Bon, alors je m'excuse du coup pour mon bébé qui est très en forme ce matin. Et qui parle à ses jouets. Voilà. Donc, dans cette boîte aussi, on retrouve un nuancier. Voilà. Donc, ça, je vais mettre de côté. Et au niveau des couleurs, c'est parti. Donc, voilà. La première. Et on se dit, ça ressemble un peu à l'autre rack, mais non. Vous vous rendez compte, c'est encore des couleurs différentes. Un rose métallisé, là, il a l'air magnifique. Oh là là. De toute façon, moi, rien que cette plaquette, je suis aux anges. Hein. Des roses, des violets, magnifiques. Là, on a une palette de vert. Voilà. Ensuite, un nouveau rack de bleu. Voilà, qui tire un peu vers les mauves, de nouveau, violet. Ensuite, un rack, des roses, des mauves, des bleus, des violets. Oh là là, j'hallucine quand je vois tout ça en fait. J'hallucine, je me dis c'est pas possible toutes les couleurs qu'il y a. Quand on commande, on se dit, 520 couleurs, il y a de quoi faire. Mais en fait, quand on les reçoit, c'est encore pire. On se dit, il y a tellement, tellement de couleurs qui existent. Je pense qu'on est déjà très, très bien servi, même si malgré le nombre de couleurs, je ne sais pas combien de couleurs existent en tout. Je pense que c'est infini avec les mélanges. Voilà. Même dans les noirs. Ça va être à chaque fois un noir un peu plus profond ou pas. J'ai vraiment hâte de voir ça sur le papier. Et de voir les métallisés. Parce que là, les métallisés, là, il y en a encore un. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et le dernier, on est dans les bruns. Voilà. Eh bien, écoutez... Moi, je vais avoir du boulot pour le nuancier et pour mon rangement. Et justement, en parlant de rangement, on va passer au carton suivant. Le temps de tout ranger. Donc vraiment, je suis super contente et de l'emballage, et de la présentation, et des couleurs. Voilà, de la qualité... Voilà, si vous voulez laisser vos crayons comme ça, il n'y a aucun souci si vous avez de la place sur un bureau pour les laisser sans les ranger. Franchement, nickel les racks. Hein. Nickel. Ça va pas être le plastique qui se fend au moindre mouvement ou quoi que ce soit. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que j'arrive à la fin, que ce soit pour les sortir ou pour les remettre. Et en fait, non. Voilà. Hop,
on referme cette jolie boîte. On chope la cordelette et voilà. Encore plus, hein, une boîte magnifique. Magnifique. Alors, ensuite, on va passer à l'autre carton. Et donc ça concerne le rangement. Je fais un peu la poussière. Donc moi, sur ma table de bricolage, hein, c'est impossible de laisser les crayons comme ça. Je me suis dit, pour colorier, tu ne vas pas à chaque fois sortir tous les racks. Donc, j'ai trouvé ceci et je trouve ça bien pratique. J'ai hâte de voir comment c'est à l'intérieur. Et puis, comme je suis souvent en bas, hein, sur ma table de salle à manger, là où je suis actuellement pour vous tourner cette vidéo, ça va être très très bien pour balader les crayons de ma pièce bricolage à ma table de salle à manger. Et hop! Et voilà, deux trousses. Je vais mettre ça par terre. Je me suis pris deux trousses donc pour ranger les crayons de couleur. Hein. C'est destiné vraiment à ça. Et donc, je m'en suis pris une avec un fond blanc et des petites roses. Donc ça, je me suis dit que j'allais utiliser pour la boîte avec les fleurs claires. Et je me suis pris des fleurs plus foncées pour la boîte aux fleurs foncées. Au moins, je saurais, j'aurais le même repère de couleur que, que si j'avais gardé les boîtes. Alors, on est parti, on va déballer la première. Ah, regardez, des petits sachets zip. Ça, on aime. Hein. On aime, on aime. Et oh là là, elles sont toutes douces. Oh, c'est trop agréable. Donc, c'est une matière imperméable. Vous avez une petite anse qui est bien, bien pratique. Ici, vous avez une pochette. Donc, qui ne se ferme pas, mais voilà, pour glisser des petites choses, c'est toujours sympa. Et ouais, c'est imperméable, mais c'est une matière toute douce. Ici, vous avez une pochette zippée. Voilà. Oh, ça a l'air vraiment bien. Le tissu, il est épais. Les coutures, elles ont l'air nickel. Franchement, c'est bien... C'est bien renforcé là au niveau du contour. Hein. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc vous avez deux zips pour ouvrir votre glissière. Hop. Et donc la trousse, elle se présente comme ceci à l'intérieur. Donc vous avez, c'est comme un livre en fait. Hein. Ça se tourne comme un livre. Et alors, on en a... C'est une trousse qui peut contenir 300 crayons. Qui peut contenir 300 crayons. Donc, je vous montre toutes les... Voilà. 300 crayons. Donc, bon, moi, avec mes 260, j'ai de quoi faire dans chaque trousse. Et en fait, vous glissez vos crayons sous les élastiques ici. Alors, est-ce que j'ai... Oui, je peux vous montrer avec ceci. J'ai mon petit cutter, alors c'est pas aussi fin qu'un crayon. Mais du coup, vous glissez hop, en dessous. Et en fait, là, alors il est très large. Mais dans chaque petit élastique, vous pouvez ranger 3 crayons de couleur. Donc voilà, je trouve ça bien bien pratique. Vous voyez que du coup, sur le bas du crayon, on va voir... Je pense que je vais mettre une petite étiquette pour mon numéro de couleur et du coup, bah ici, ça sautera aux yeux ou voilà. Donc, je le rangerai et je pense que ça se fait comme ça, mini ici, bas du crayon ici. Donc, voilà comment se présente la trousse et voilà, ça sera beaucoup plus pratique pour chercher une couleur. Donc, voilà pour la première. Alors, par contre, je pense que tant qu'elle n'est pas pleine... Voilà, il n'y a pas de volume, donc c'est un petit peu... Il faut faire attention en refermant. À bien remettre les racks à l'intérieur. Après, quand elle sera pleine, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà pour la trousse aux fleurs foncées. Et là, je vais juste vous montrer, mais c'est exactement la même chose. Hein. C'est juste avec un autre tissu.
Voilà la trousse aux fleurs claires. Elle est super jolie. J'adore. J'adore, j'adore. Vraiment, je ne regrette pas mes achats. Ça promet de belles heures de loisirs. Donc voilà, c'est la même chose. Hein. Je vais pas vous l'ouvrir plus. Donc les petites pochettes devant derrière, je trouve ça bien pratique. Et voilà. Je suis vraiment, vraiment ravie, comblée. Je ne regrette pas. Et puis du coup, à transporter, c'est top. C'est top. Voilà, bon, je pense que ça fera quand même son poids avec les crayons à l'intérieur. Alors, pour une idée de prix, il me semble que sur Amazon, ces trousses étaient au prix de 23,99€. Il me semble, de toute façon... Alors, attendez, je vais vous dire ça tout de suite, vu que j'ai le téléphone à côté. Maintenant que je filme avec un autre, je peux vous donner des petites infos en même temps, ça c'est cool. Hop. Non, je vous ai dit une bêtise, 29,99€. Donc je fais bien de vérifier. Et vous avez d'autres motifs. Donc vous avez également ce motif-là. Et vous avez ce motif-là. Voilà. Donc, vous avez de quoi faire. Donc là, ça, c'est la mienne. Et ça, c'est la mienne. Voilà. Celle-là, elle était aussi très, très jolie. Hein. Mais voilà. Je me suis dit, je prends une claire, une foncée. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu faire ça et ça. Mais celle-là me plaisait beaucoup. Voilà. Eh bien, de toute façon, moi, je vous remets les liens des crayons et des trousses en barre d'infos. Donc, je vais vous remettre dans le champ de vision ma petite commande, ou plutôt mon gros craquage sur Amazon. Mais comme dit, un craquage plutôt raisonné au vu de ce que j'ai reçu en termes de produits et au niveau de la qualité, de la quantité. Pour l'instant, je suis très, très heureuse et je ne suis pas du tout mécontente d'avoir mis ce prix dans ce que j'ai acheté. Donc voilà, on va se retrouver dans une autre vidéo pour tester les Brutfeuner ensemble. Voilà, elle ne paraîtra pas tout de suite puisque je vais prendre le temps de les tester, de commencer mon nuancier, faire une bonne partie et je ferai une petite partie avec vous également. On fera une petite partie rangement dans la trousse également et je vous montrerai ce que ça donne une fois que les 520 sont rangés. Voilà. Donc, il faudra juste attendre un petit peu le temps que je puisse me familiariser avec tout ça et peut-être vous montrer des tests sur feuille au niveau des crayons. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà ces crayons, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous ne les avez pas encore, dites-moi si vous aussi vous hésitez, si vous aussi vous attendez une promo, un avis ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, et bien du coup, je vais vous laisser. Bébé a vraiment envie de discuter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.